Tout d'abord, on a rectifié ça que l'ancien premier ministre lui a dit, donc il n'y a pas un stade, parce qu'il n'y a pas un critère pour les stades. Dans nos débuts, il y a un parc sportif ou bien un parc multisport, parce qu'il y a plusieurs disciplines qui ont joué en deux. Eh bien, parc Serge Bernabel là, qui c'est non ça, qui sont. Et que tout le monde connaît, mais communément, sinon, c'est le terrain de Rissoua. Donc, depuis qu'on est à Miragua, on est en sud, et depuis qu'on est au terrain de Rissoua, automatiquement, on a quitté Miragua, on a quitté Carrefour de Rissoua, tout le monde a montré qu'il y a un terrain de Rissoua. Ça, c'est un terrain qui existait depuis 1971, quand même, et un terrain qui était servi à l'école football, pas seulement dans la ville de Miragua, dans tout arrondissement, il a servi l'équipe championnat national de deuxième, de troisième division. Yo. Okay? Donc, c'était un terrain qui montré que si toutefois il y a un projet sur l'équipe qui a fait un bel parc, ou bien pourquoi pas un stade, si toutefois le projet a fait un stade. Eh bien, en 2010-2011, le gouvernement Matéli a monté, Matéli l'a monté, et bien, il y a un projet 25 stadios que la mort a fait, qui était un projet de la présidence. C'est dans le cadre de ça, il a été sélectionné. Terrain de Rissoua et commune dans terrain que tu as mettre dans niveau 1 international. Ça veut dire que tu as un terrain qui remplit tous les critères pour même recevoir match international. C'est ça que le projet a lui-même été. Eh bien, il était by film. C'est quoi ça, responsable projet ça? Eh bien, depuis 2011, c'est quoi ça lui-même? Les villes de Miragouane, les prend et terrain. Ils ont terrain, pendant que c'est quoi ça vient prendre lui. La mairie pas au courant que c'est comme ça après terrain. Le ministère jeunesse pas au courant. Et le ministère planification dans le département pas au courant parce que c'est un projet et transversal de la présidence. Ça veut dire que le projet n'est pas passé dans aucun organe, dans aucune instance de l'État pour tenir contrôle et faire gestion de projet que c'est comme ça lui-même est amené. Donc c'est garder, nous garder, c'est comme ça débarquer, il vient faire pas là. Oui, parce que je dis que c'était projet la présidence. Mm-hmm. C'est projet la présidence, ça veut dire la mairie pas au courant, le directeur département de transport pas au courant, le ministère de planification pas gagné aucun projet en dehors bureau qui dit mais combien de copes qui décaissent, mais combien de copes qui étaient utilisés, mais combien de copes qui étaient hérité. Je n'ai pas gagné rien qui écrit sur papier. Aucune trace. Aucune trace. Ok, on avance. Donc, je le dis, et après 12 ans, parce que Miragouane est actuellement, il y a une carence de sportifs, surtout au niveau football, parce que vu que pas de terrain dans cette ville-là, ça vient faire que les noms sont difficiles pour des séries de jeunes même mieux développer. Okay? Donc, nous-mêmes, en tant que jeunes, nous avons une nécessité. Ya, et Anessa nous dit, dans toutes les mesures que nous avons relancé ou bien rouvrir pour ça, pour permettre que le ballon, lui-même, le camaté, dans l'espace-là. Écoutez, attendez, avant de arriver à l'initiative que nous prenons, quelle situation espace ça depuis date ça? Ok, mais c'est Jean Zoula. De 2011 à 7 septembre 2023, pas de aucun instance étatique qui rentre dans l'espace. Ni pas de pièce ni de monde dans la société civile là qui te rentre dans l'espace, qui te gagne droit de rentrer là-dedans, ni fait aucune activité sous lui. Ça veut dire que c'est un espace qui était en état de mort apparente pendant 12 ans. Fermé? Fermé totalement, clôturé, barrière, scellé. Et les clés, non mais qui est-ce clé, qu'est-ce qui est contrôlé? Clé A, il n'a pas un gérant que c'est comme ça lui-même, il était BTA, mais vu que c'est comme ça lui-même depuis zone 2014-2015, il fait Vuelta, il est venu tout le matériel, il est allé avec lui. Donc gérant lui-même, il a juste un clé dans le mais il n'a pas eu de contact avec c'est comme ça encore, c'est comme ça pas payé. Donc l'espace là juste resté là, puis il n'y a pas de moyen. 2011-2023, ça fait pratiquement là 12 ans? 12 ans. Depuis espace-là, et clôturé, inaccessible, personne ne va dire nous qui manque de tuer après. Du tout. Pas de football, pas de jouer sous les rien du tout. Pas qu'à fait, pas jamais fait pendant espace-là pendant 12 ans. Mais qui côté nous, jeunes garçons qui jouent au football dans la zone, jouent pour jouer au football, faire entraînement? Ça nous fait? Bon, ça, c'est ça qui est un problème. Là. Des fois, c'est. Dans l'ouest que nous rentrons, parce que Tigouaf c'est dans l'ouest. Parce que des fois c'est deuxième plein nuit à recevoir match, des fois c'est faux des nègres. Et puis il y a des mondes privés qui ont des séries de terrain, qui ont prêté équipe au terrain, ou bien je suis obligé de quitter cette ville-là, monter sous Chalon, ou bien aller du port, ou bien aller pailler à jouer football.
Donc, actuellement, là, Niagouane dans le championnat national. Oui, bon, championnat national, là, les logiques m'ont campé là. Oui, 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 oui. Les restructurations, mais oui, Niagouane gagne trois équipes, gagne deux dans la deuxième division et puis gagne une dans la troisième division. Maintenant, là, nous faisons des constats, ça. Nous disons à partir de 5 ou bien 7, 7 ans de passé là, et bien, qui initiative qui prend, qui s'en a fait nous-mêmes? Parlez-nous de ça. Initiative là, c'est qui ça lié? Bon, il y a un groupe de jeunes qui gagne moi-même la donne, qui te dit, on nous cherche qu'on est qui ça bagaille là. Premièrement, le 17 octobre, le 17 août, gagne moi-même ensemble avec un journaliste qui s'appelle Claude Justin, nous sommes allés dans le ministère de planification, côté nous allons parler avec le directeur pour nous connaître qui ça que le ministère de planification a dit nous sous projet terrain de l'histoire. C'est après grand étonnement que le directeur a rentré dans le bureau là avec nous, lui montrer nous que pas de rien qui documenté sur ça, parce que même lui-même, c'est un débouché, parce que c'est son projet transversal de la présidence, il n'est pas passé dans le ministère de planification. On a été redirigé, nous lui dit, allez dans la mairie pour nous voir, est-ce que la mairie lui-même, lui gagne un document qui est lié avec terrain, ça, parce que la mairie, c'est même qui a géré l'État dans la commune. Les noirs allaient dans la mairie saisit tout, il dit que eux-mêmes, ils n'ont pas gagné rien sous ça. Normalement, c'est le ministère Jeunesse Sport, avec Action Civique, qui est au courant de terrain. Là, nous allons dans le ministère Jeunesse Sport, Action Civique, ils ont dit que c'est à de la mairie parce que eux-mêmes, ils n'ont pas gagné rien dans la mairie. Là, on parle de ministère, là, le ministère sur le terrain ou bien Port-au-Prince? Non, ministère au niveau départemental. Départemental. Oui, OK? Donc, au niveau départemental, le ministère de l'Espoir, pas gain, il pas même connaît que c'est eux-mêmes qui t'a dû gérer terrain, il dit que c'est à lui la même. 23 août, il y a un reportage que Radio Flamaxi même a réalisé de PDG de Chamengol-Clerville. Donc, reportage, ça a été sensibiliser population sur qui est-ce qui a géré terrain et pour qui ça terrain lui-même, il n'y a pas jamais rien qui fait sur lui. Donc, sa communauté à lui-même, revient lui, il dit effectivement que ça sont des ordres. Que dans qui mesure que Yoka relancer l'activité sur le terrain de l'histoire. La mairie était venue chita avec le ministère Jeunesse Sport et Action Civique, côté yo joindre yon entente pour la mairie bail officiellement un papier à ministère Jeunesse Sport Action Civique pour leur dire que c'est MJSAC qui a géré terrain de concert avec la mairie. Donc c'est pour avancer travaux que deux instances ça yo mieux mettre ensemble et que yo choisi des moun et dans la mairie, et dans MJSAC, ensemble avec la société civile, là, qui gagne un journaliste, ancien joueur de football, et puis gagne l'autre professionnel encore, qui lui monte un comité ça lui-même, qui gagne 7 moun la donne, qui sont un comité de soutien et d'accompagnement, qui a soutenu MJSAC, ensemble avec la mairie, dans l'avancement projet. Le 7 septembre qui était passé, là, nous avons fait un constat avec le juge de paix, qui était allé dans l'espace là, qui était fait constat pour nous, côté nous, pour ces verbales là, côté nous, dit, mais comment que nous te joignons espace là. D'emblée, secteur privé au niveau Miragouane, pour ne pas dire dans l'arrondissement, t'es accompagné nous. Nous n'avons pas besoin de personnalité, mais nous te joignons de très bons accompagnements au niveau de carburant, au niveau du matériel, par exemple, bascule, tout ça, et puis au niveau de moyens financiers, tout que nous avons, nous, qui permettent nous raser tout ça qui est sur terre, parce que gros pied pour attaquer la poussée sur terre. Donc nous ouvrons terrain, nous ouvrons espace là. Espace à ouvert parce que la justice qu'on a nous accès pour nous rentrer là-dedans. Ok? Nous ouvrons espace là. Tu as un bête, cabrit, bœuf, c'est eux-mêmes qui ont occupé le terrain. Nous faisons mettre qui ont vu le terrain. Tu as un barrière en tôle, que c'est qu'on s'est mis depuis 12 ans, qui était fini. Avec aide que nous jouons dans la communauté de Miragouane, surtout avec la chambre de commerce. Miragouane qui gagne et le président Hébert François Laden, qui aide nous, nous jouons le fond, nous mettons trois barrières, une barrière principale avec deux barrières secondaires, ok? Et puis, nous passons et matériel, nous répétons ce qui va nous bon aide avec matériel lié. Donc, nous gagnons seulement pour nous faire geste avec opérateur et puis mettre gaz dans le matériel. Yo. Donc, actuellement, la terre est dans son terrain qui est totalement rasé et actuellement, là, nous sommes en phase côté nous avons fait remblayage terrain depuis semaine passée. Donc nous besoin plus de 300 camions 10 ouyo pour nous remplir le terrain après ça pour nous compacter. 300 camions, mais 300 camions grave. 300 camions qui ça? Remblai. Yeah. Ok, maintenant, ok. Jodi à notre espace là, nous prenons initiative, nous débloquer, nous nettoyer. Qui ça n'a pas cherché aujourd'hui? Qui ça nous besoin aujourd'hui? Ça n'a pas cherché pour nous rendre espace là viable. Pour nous gon parc, pour nous gon terrain capable de recevoir match, gon espace, parce que vous dites, c'est pas seulement question de terrain football,
gade lot son bagay multidisciplinaire ke liye. Exactement. Donc, jounen jodi a ki sa nou bezwen. Nan nivou ke nou rive a, nou komite a li te mette 3 mwayen de pou nou ramase l'aje. Premier mwayen c'était au niveau local avec l'entreprise yo, avec cette mise à ça que nous gete fè, yo gete ba nou bon aide. Deuxième mwayen c'est lancer yon GoFundMe à l'échelle internationale pour diaspora qui a vivre en dehors pays a. Parce que RSA, Mabzou et Volsi Assad, c'est pas un petit terrain petit. Donc, moun qui n'a pas un terrain, il doit avoir son petit terrain qui a pris 6-7 joueurs. C'est un terrain qui est 105 par 68. Le norme FIFA, c'est 90. C'est un terrain, son terrain qui est 105. C'est-à-dire son terrain qui, au niveau surface, qui est de standard international. Ok? C'est-à-dire son terrain, s'il est fait, c'est pas mais à Guan, il va le desservir seulement. La desservi tout pays, parce que actuellement là, bah on est sous qu'on est qui difficulté que Haïti pour les recevoir match. Parce que c'est Saint-Domingue qu'on recevoir, actuellement obligé à aller dans une zone Suriname et puis Trinidad et Tobago, parce que ils dit que pas de terrain au niveau local qui assez équipé pour recevoir match, parce que t'es proposé terrain au Cap là, mais malheureusement il y a quelques tifas, ils ont pas qu'à choisir. Donc terrain ça c'est un terrain qui peut habiter tout pays, c'est pas seulement Miraguane. C'est ça que nous lançons ce GoFundMe. Hein? Donc, tout le monde peut pas côté pour sortir. Donc, si toutefois, l'image a passé là dans la vie, il y a un son terrain que c'est pour ça que tu as fait un gradé qui prend plus que 5000 places assises, alors qu'il n'est pas même fini. 5000 personnes? Yeah, 5000 personnes assises. Qui capacité globalement, d'après vous-même? Vu que c'est deux bois seulement, vous faites libre 5000 personnes, et je n'ai pas même arrivé dans la hauteur parce que c'est 8 matchs que vous faites. Ça mette sous les plus de fait le 4 bon. Donc c'est un port qui a avoisiné 8, 9 et 10 000 moun à l'aile. 10 000 moun, non, ça de province sont gros bagay. Oui, ils sont gros bagay. Donc c'est ça qui fait que nous voulons lancer un débat au niveau national okay, pour nous faire moun, le plus grand nombre de monde possible connaît projet ça qui n'a Miraguane et n'importe où, soit qui n'a secteur privé ou bien yon cet individu dans la société civile là, yon diaspora qui t'a avlé. Va nos moyens, mais pas forcément économique. Si n'importe quoi qu'on a aidé nous, c'était gaz ou bien n'importe assistance technique qu'on a dans ça que nous avons fait. Pour nous arriver à faire ballon maté sur le terrain de l'histoire. Même si que nous ne pouvons pas finir par clarifier à 100%, mais faire la vie sportive, sociale, reprendre sur pas là, c'est déjà un grand début. Et ensuite, automatiquement, Pakali commence à vivre une vie. Je pense que Pakali va avoir un comité de gestion qui va l'installer de manière permanente, qui va le faire que le travail lui-même est fini. Maintenant, la question pour nous poser, c'est une initiative de l'État quand même. Pour que ça, ce n'est pas l'État que nous engager, que nous contraignons, ministère de jeunesse au sport, gouvernement, pour finir le travail. Pour que ça, c'est citoyen que nous avons demandé et contribué. Est-ce que là, c'est pratiquement la même démarche qui semble tête coupée à ce qui passe dans le canal là. Ou à la mettre, côté que l'État, gros initiative pour le pays, il n'y a pas la donne. Côté ces sociétés civiles là, qui engagent, c'est ça qui a passé là, dans le Miraguane. C'est exactement ça. C'est même gens qui ouvrent le canal là, c'est KPK. Et bien ensuite, il y aurait les TPK. Ça veut dire c'est terrain en pape campé. Ah, TPK, terrain en pape campé. C'est TPK, terrain en pape campé. Ok? Donc c'est ce slogan ça que nous gagnons ensuite. Bon, malheureusement, il y a des gens qui pensent que. C'est le mouvement canal là que nous, qui fait nous-mêmes, nous avons fait projet ça, lorsque le projet panneau a commencé bien avant le projet canal. Bon, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Si nous avons copié son initiative positive, c'est de bonne guerre. Je ne sais pas si un problème là-dedans. Maintenant, est-ce que c'est par rapport au refus de l'État, nous épuiser toute démarche au niveau de l'État, qui fait que aujourd'hui, nous dit, comme groupe social, comme jeune garçon, jeune femme, n'a pas une initiative personnelle. Est-ce que l'État a refusé pour te coller, pour bailler moyen ou bien pour finaliser le travail? Au niveau de l'État, au niveau local, la mairie, ensemble avec un magistrat, ils ont clairement montré nous que ils n'ont pas qu'à aider nous, ils n'ont pas qu'à faire nos gros malais. Ok? Donc, comme si économiquement, ils ont totalement impunisé par rapport à la situation pays, que ça n'a pas collecté, activité pas faite, que si c'est pour fonds personnels, ou bien si c'est pour démarches personnelles au niveau étatique, projet à lui-même n'est pas avancé. En tout cas, ça même qu'à comme garantie, moi-même, parce que comme nèg Miraguane, comme nèg Nip, moi-même, n'a pas de bail là au niveau national. OK, automatiquement nous fini là, moi me braler les ministres jeunesse sport là. Me braler les chefs cabinet à Tolbe Alexis. Oui. OK, et s'il le faut, n'a préparé une rencontre, OK, entre comité là, m'a connait qui est-ce qui voulait pour que Yoshita avec nous pour dire nous qui ça a fait. Parce qu'au-delà de
demande de GoFundMe n'a pas réalisé, mais si l'État a une possibilité pour accompagner une initiative que nous avons prise déjà, même si nous n'avons pas trace, donc c'est une responsabilité que l'IE. Bien sûr. Donc nous-mêmes au niveau du comité, nous avons tout arrangement déjà fait, parce que nous avons déjà gagné des experts que nous avons engagés qui sont venus sur le terrain, donc pratiquement qui ont déjà monté dans l'espace là pour monter un projet pour nous. Nous avons déjà un projet qui est déjà écrit. Donc actuellement là, c'est accompagnement que nous avons besoin, c'est soit technique, soit financier, pour le projet à lui-même continuer pour lui faire malon, mater sur le terrain de l'histoire. En tout cas, moi-même, je suis engagé dans la bataille ça, parce que moi-même, je suis joué au football sur le terrain ça. Je suis un gars de football sur le terrain ça. Donc, nous connaissons ça, ça veut dire le sport dans le développement, on est capable de dire, jeune, psychologiquement et mentalement, physiquement. Donc, c'est un projet que tout le monde doit embrasser, mesdames et messieurs. Nous espérons que GoFundMe, il va marcher, tout le monde a porté concours, ça, capable de porter. OK, pour nous capable aider au moins à fier de zone nous que nous t'ai participé à nos œuvres, qui c'est pas aux œuvres personnelles mais aux œuvres communautaires parce que je vous dis à non pays côté grand pile délinquance, côté grand pile oisiveté, si en même temps nous privé mon de possibilités de gros espace de jeu en dit très clairement mesdames et messieurs, c'est on visa nous bail droite pour la délinquance perpétuelle dans pays notamment dans zone Miragouane. Donc Clairville Chadam sont rien l'autre bagarre on dit et moi me dit que son projet que nous d'elle. Ok, bon, premièrement, ma première c'est Gazette, ma première c'est émission Le Rendez-vous et ma première c'est Volsia Sadite Neglakay qui a encouragé le travail là. Donc, nous disons que nous là, nous sommes à Miragouane, nous sommes Grand Sud et que nous avons en tant que jeunes, nous avons été même en patte là parce que moi-même, dans le côté sport, moi j'ai passé 12 ans et que depuis que moi dans le domaine sport, en le pays là. Donc, moi, prêt pour moi accompagner, pays moi, dans tout ça qui capoté, qui a considéré comme un vecteur de changement social, économique, parce que sport lui-même tout de manière économique, c'est un vecteur. Nous, car ouais, ça qui a passé Léo Gann, dans le championnat de vacances, et qui a fait, et avec M. AJS, c'est le plus beau profit et félicité. Donc, c'est ça. Nous avons dit que tout le monde qui voulait, il a rejoindre nous, et que l'intérêt a fini, nous garantissons que c'est une plus belle terrain que pays a gagné, et tout Haïtien, qui Haïti qui est à l'étranger, a fier de l'espace-là. Merci un peu, Clairville Tchadams, pour participation de l'émission. Hein. Donc, bravo pour l'initiative là. Nous, toutes jeunes femmes, jeunes garçons, qui apprennent l'initiative pour communauté, nous, pays à deux, nous, fiers chandelles, qui BFM Balagué. Merci, Thierry Abapkopi. Merci. Voilà, c'était avec nous, Clairville Tchadams, qui lui-même, c'est coordonnateur, comité ça, qui travaille pour capable prendre en main, terrain ça, qui abandonné. Que le gouvernement a commencé un projet 25 stades, que oublié, pas qu'aucune trace l'État en bas la donne. Donc là, nous allons engager nous là pour nous être capables de mettre en contact avec le gouvernement, pas ici, pour nous connaître qui est le gouvernement, capable de prendre contrôle de la situation et pour des moyens pour finir le travail. Là. D'ailleurs, nous allons prendre là, ce qu'on fait là, ça va être tête coupée avec ce qu'on a passé dans Wanamet, côté que à cause de l'absence de l'État, eh bien, nous allons prendre propre initiative dans l'intérêt communautaire.